Je suis sûrement le candidat le plus balèze, mais j'ai aussi l'esprit d'équipe. À l'école militaire, j'étais le meilleur aux exercices collectifs. Et pour faire son lit aussi. Et pour plier le drapeau et pour écrire à sa maman. Et pour ça, j'étais champion. À moi la victoire! Étant donné que je suis le seul soldat avec une formation militaire, je suis clairement avantagé par rapport aux autres. Mon adversaire le plus sérieux, je dirais que c'est Joe, mais c'est bien qu'on soit dans la même équipe. Comme mon sergent d'instruction disait toujours, gardez vos ennemis proches de vous et vos adversaires pas trop loin. C'est pas ça. Gardez un œil sur votre famille et soyez proche de vos ennemis. Attendez. Je viens de finir mon jogging de 5 km. Et toi? 8 km. Moi aussi, j'ai fait 8 km d'échauffement avant de faire un sprint de 5 km. Moi, j'ai pas arrêté de courir en montée. Ouais, tout en montée, les yeux fermés. Moi, j'ai couru à reculons avec des bouchons d'oreilles. Pourquoi des bouchons d'oreilles? Je sais pas. Qui a mouillé son pantalon lors du premier, mais aussi du dernier jour d'école? Wow, il y en a qui savent pas se retenir ici. Il y en a forcément un ou une qui se sent concerné. Mettez votre fierté de côté, le groupe avant tout. D'accord, c'était moi. Ouais. Oh, merci Boris. Je sais que ça a pas dû être facile. Tiens. À vos ordres, chef. Waouh, j'ai quand même bien assuré. Sur moi. Mes parents m'avaient fait un mur d'escalade. Impressionnant. Moi, j'ai conquis l'Everest en camp de vacances militaires. Je me suis déboîté la hanche pendant le parcours du combattant. Je vais te montrer. Chouette. Et où tu as appris à te déboîter le coude? Ici, pourquoi? Prends ça, blondinette. Il est plus à l'envers. Merci du... mon autre coude. Quel autre candidat va tomber de haut? Pour de vrai? Si vous voulez le savoir, ne zappez pas! Je lui ai aussi mordu la langue! C'est l'heure du défi! Quoi? Maintenant? Au beau milieu de la nuit? Lorsque tout est... tu sais... noir? Depuis que je suis tout petit, j'ai horreur du noir. Avec ses craquements, et ses qui va là, et puis c'est... allez-vous-en! Il s'éloigne. Dépêchons-nous. Qui va là? Joe est comme cette puce. Elle n'arrête pas de me piquer au vif. Bienvenue au cimetière des animaux de Wawanakwa. On est les premiers, fils de fer. À toi l'honneur. 3 × 6, c'est pas mauvais signe. Dispersons-nous et cherchons des chiffres. Tu veux dire chacun de son côté? Au secours! Au secours, il fait noir! Il est beaucoup trop noir! Attrape ma main! Trompe-moi! Trompe-moi! Reprends-toi! C'est un ordre! J'ai pas fait pipi sur moi, il y avait de l'eau au fond du piège. Je vais aller me sécher. D'accord, je ne toucherai plus à la mode à partir d'aujourd'hui. Vous êtes content? Wow, maintenant je sais ce que c'est que de faire tomber un mec, tu es. Vous allez rigoler, figurez-vous qu'elles ont disparu. Elles ont dû être volées par quelqu'un ou bien quelque chose. Et c'est bien éclairé au moins? C'est une mine, mon pote. On n'y voit rien. Venez, il faut qu'on les rattrape et vite. Attendez, c'est bon pour les losers. Je pars avec lui. Essaie de nous rattraper. Revenez. J'ai pas peur du noir. J'ai pas peur du noir. Je suis perdu et abandonné dans le noir. Boris, t'occupe pas de cet ocar, il faut qu'on y aille. Je peux plus tenir. Miguel, j'ai quelque chose à te dire, Zoé. Boris, ne jamais abandonner un soldat. Et
col de mode, me voilà. Hein? Vous avez bien compris.